Hey tout le monde, c'est Tanguy Junior et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon année 2018, ce qui s'est passé, les bons et les mauvais moments. Let's go! Bon, alors tout d'abord, on va commencer en janvier. Alors en janvier, manque de vidéos. J'en ai pas fait beaucoup. Pas du tout même, je crois. J'ai perdu ma grand-mère en début janvier, donc voilà. C'est aussi l'année où il y a eu Fortnite, donc voilà. La Galette des Rois, moi je suis dans mon stage à Aéroville. C'est aussi l'année où il a neigé. Janvier, il a neigé, hein. Beaucoup neigé. Donc voilà, on passe à février du coup. Ouais, bah, février. Hein. Alors en février, j'étais encore en stage. Hein. Mon moral est remonté, donc j'ai revu un ami d'enfance. C'était super. Je me suis ressaisi au niveau des amitiés, tout ça. Je me suis dit, lui c'est mon pote, lui c'est pas mon pote. Je commençais à me dire qui sont les bonnes personnes, quoi. On a eu un chien aussi, une chienne, plutôt, je veux dire. Un staffy américain. Croisé pitbull, donc voilà. C'est aussi l'année où j'ai commencé Instagram. Voilà. Bon bah voilà. Février, et voilà. Après, alors oui, alors après il y a eu le mois de mars. C'était cool. J'étais à Paris. J'ai rencontré Tim, le youtubeur. Dragon Ball Super, c'est terminé aussi, bien évidemment, parce que voilà quoi. J'ai revu un pote du collège. C'est aussi la première fois où j'ai joué à Dragon Ball Fighter Z. C'est la première fois que j'ai joué. Franchement, le jeu est super cool. Honnêtement, bah, c'est une année vraiment super. Ah, super. Voilà quoi. Alors au mois d'avril, ouais, c'était vraiment bien. Avec le film Taxi 5, tout ça, YouTube. Bah, j'ai aussi fait un poisson d'avril. J'avais dit que j'arrêtais YouTube, mais j'ai pas vraiment arrêté. C'est aussi l'année où il y a eu un petit cosita, hein, voilà. C'était un temps précoce aussi, parce que le soleil est arrivé en avance. Hein. On était encore au printemps et il est venu quand même. Bon, ça va, j'étais heureux au mois d'avril. Donc ça, d'ailleurs, j'ai failli aller en... J'ai failli me faire arrêter aussi. Parce que je devais accompagner un pote à Paris pour acheter un truc. Et il s'est fait choper parce qu'en fait, il a volé. Et je sais plus pourquoi, il n'avait pas d'argent et du coup il a dit qu'il allait voler et tout. Il y a eu les flics qui sont partis en tôle. Moi je suis rentré, normal. J'avais pas volé, j'étais témoin, mais j'étais pas concerné vraiment. Mais bon, c'est à noter quand même. Alors ensuite, au mois de mai. Alors au mois de mai. Parce que c'est l'anniversaire de la chaîne YouTube. Et c'est aussi mon anniversaire, donc voilà. J'étais avec mon père, on a été au bowling, tout ça. J'ai revu mon petit frère. J'ai fêté mon anniversaire. On a fait une balade en vélo avec mes potes aussi. À Montlhéry. Ah, il y a eu des orages aussi, putain. Oh là là. Cette année-là. Au mois de mai. Fin mai, hein. Fin mai, il y a eu des orages. C'est aussi l'année où j'ai. C'est aussi le mois de mai où j'ai fait un court-métrage.
franchement, court métrage, super. Ça m'a plu. Ça, dans Paris. C'était 19e arrondissement, je crois, ou 20e. En tout cas, c'était vraiment super. Du coup, on va passer au mois de juin. Hein. Alors, au mois de juin. Mois de juin, comment vous dire, j'ai passé un super mois. Soleil, rigolade, barbecue, j'ai eu une balle de fin d'année. J'ai passé mon bac aussi, c'était une épreuve. Oh putain, oh là là. Je suis parti dans 18, en centre de la France. On a fait mon anniversaire, franchement le meilleur anniversaire de ma vie, je crois. Mes 20 ans, c'était vraiment le meilleur anniversaire. Donc voilà. On passe au mois de juillet, du coup. Alors, mois de juillet, franchement, c'était vraiment épique. Je crois, mois de juillet, c'était... Voilà. Bon, il y a eu la Coupe du Monde, hein, vous vous doutez qu'il y a eu... 14 juillet aussi, j'ai revu une pote, on s'est vraiment bien éclaté. Jacuzzi, j'ai revu ma pote, j'étais à Beauvais. Franchement, rien à dire. Mois de juillet, vraiment. Machallah, comme on dirait, ouais. Au mois d'août. J'ai vraiment, mais alors vraiment, aimé. J'ai eu au mois d'août, franchement, super. J'ai revu plein de potes, déjà au mois de juillet, alors au mois d'août. J'étais au camping, alors aussi j'ai passé mon BAFA. J'ai eu mon BAFA, la deuxième partie du BAFA. Expérience à faire d'ailleurs. Excusez-moi, ça me gratte l'œil hein, depuis tout à l'heure. Il y a eu aussi le combat de Booba et Karis, qu'on se rappellera tous, je crois. J'étais au parc Saint-Paul, tout ça, à Beauvais aussi. Le camping, les barbecues, la piscine, la plage, le feu sur la plage. Bon, je vous rassure, on l'a éteint. Et c'est aussi l'année où j'ai fait une teinture à mes cheveux. Je sais pas si j'ai fait une vidéo avec ma teinture. Avec ma teinture, je sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense pas, mais on a dû voir une vidéo, j'avais fait les cheveux rouges, et c'est parti en version roux, quoi. C'était marrant. Mois d'août, exceptionnel, franchement. Ouais. Franchement, mois d'août, rien à dire. Alors, en septembre, j'ai eu une dépression encore une fois, une forte dépression, début septembre. Je sais pas, j'avais vraiment... Mois de septembre, comment vous dire, le mois de septembre, pour moi, c'était un truc. Je sais pas, une baisse de morale, comme ça, envie d'envoyer chier tout le monde. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait une vidéo, mais un mois après, il y en a eu. Bon, octobre, j'en reparlerai après. Mais, ah oui, au mois de septembre, c'est aussi l'année où j'ai voulu faire de la musculation et du foot. J'ai commencé, j'arrête. Ne me demandez pas pourquoi, je vous réponds quand même. Parce que, certes, j'ai mon bac au mois d'août, au mois de juin, ouais, je confonds tout là. Au mois de juin, j'ai eu mon bac, ouais. J'ai recommencé, là je fais un CAP petite enfance, me jugez pas, hein, ok. Je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ça, je fais ça, ok. De toute façon, ça veut pas dire que j'arrête YouTube. Du coup j'ai arrêté le foot parce que je rentre tard, c'est à Paris, j'habite en 91, je dirais pas où. Voilà, je peux pas faire autrement. J'arrête. Voilà. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'ai eu mon bac. Ouais, j'ai passé le bac au mois de juin, mais j'ai eu mon bac au mois d'octobre. J'étais à la remise de diplôme, j'étais vraiment content. Alors, vous me demandez, ouais, t'as eu ton bac, c'est cool, mais c'est quoi? C'est un bac en restauration. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai fait
serveur, hôtellerie, restauration. Ok. Aussi, c'est aussi au mois d'octobre, c'est aussi l'année où j'ai voulu faire Halloween, bien sûr. Donc j'ai reçu mes frères et sœurs avant Halloween. J'ai fait Halloween avec mes potes. Bon, il y a eu aussi la purge. La purge, pardon. Je suis fatigué, je tourne hier, ouais, 18h40, donc, ouais, la purge. D'ailleurs, ça, c'était vraiment un truc, voilà. Il n'y a pas eu d'attentat, à ce que je me souvienne bien. Non, je pense pas qu'il y ait eu d'attentat cette année. Si, à Strasbourg, mais au mois de décembre. Non, là, plutôt, on a vrai dire sur le mois de novembre, maintenant. Mois de novembre, alors j'étais au concert de Camille. Camille, donc un jeune rappeur, chanteur qui habite à Orléans, je dirais pas où. J'ai fait une vidéo sur ma deuxième chaîne, Tanguy Officiel Musique. Vous pouvez aller voir. Hein, et j'étais au concert, je suis monté sur scène avec lui, tout ça, voilà. Vous allez me dire, pour ceux qui le connaissent, « Oh, t'as de la chance, tu l'as vu et tout !» Alors, c'était comment? C'était fantastique, trop bien. Cool, mois de novembre, cool. Ça va. Ah oui, alors aussi, gilet jaune. Qui dit le mois de novembre, gilet jaune. Oh non, c'est petit. Non, franchement, au mois de novembre, mon gilet jaune, vous savez pourquoi, Macron, démission, tout ça, je vais pas faire un débat, j'ai pas envie que ma vidéo disparaisse, hein. Voilà, donc, mois de décembre clôturé, et on arrive enfin sur le mois de décembre, et non plus mois de novembre, mois de décembre 2018, on arrive à son terme d'ailleurs. Déménagement, oui, parce que j'habitais dans 77 avant et j'ai déménagé dans 91, comme je vous ai dit. J'ai eu une dépression suite à ça, je sais plus pourquoi, harcèlement, vous inquiétez pas, c'est réglé. Noël, donc j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes avec vos familles. Moi, ça a été, franchement, c'était super. Et c'est aussi l'année où j'ai fait de la boxe. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Non, j'ai fait de la boxe, mais un jour, quoi, j'ai testé. Franchement, c'était bien. Avec mon pote. Voilà. Je peux revenir sur un truc d'ailleurs, parce que j'ai oublié. Je reviens sur le mois de octobre. Juste avant Halloween aussi, il y a eu. Pas la Japan Expo, mais. La Paris Manga, je crois vous voyez de quoi je veux parler, c'était vraiment super, franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai pas été à la Japan Expo cette année, mais j'étais à la Paris Manga, Paris Game Week, voilà, Paris Game Week, franchement, Paris Game Week, c'est cool, vous pouvez faire plein de choses et tout. J'ai pas fait de vidéo dessus cette année. J'aurais dû. Mais pas envie. Donc voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Enfin, partager ma chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Je vais mettre mon Instagram pour que vous puissiez me suivre. Je vais le mettre en description parce que flemme de mettre à la fin. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas. J'en perds les mots. N'hésitez pas à. Et moi je vous dis à l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année. Et. À la nuit prochaine. Bye. Salut.